ayant en tête, je vais parler. Nous allons chanter. C'est parti. Nous marchons vers si. Et c'est ton amour qui nous amène encore dans ta présence. Regarde-nous simplement au travers du sang de l'agneau. Accorde que tout péché soit pardonné. Et que la grâce souveraine de Dieu nous amène profondément dans la parole. Et nous révèle les choses profondes et cachées de Dieu. Nous prions que le Saint-Esprit inspire toutes choses et surtout amène cette parole dans nos cœurs. Nous prions, Seigneur, que tu ouvres l'entendement spirituel de tout un chacun et que personne ne sorte d'ici tel qu'elle est venue ou tel qu'elle s'est révélée. Nous avons prié, recommandant la réunion à toi au nom de Jésus-Christ. N'oublie pas de bénir aussi Israël. Amen. Dieu bénisse.
Alors que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 3, et nous allons lire les versets 5 jusqu'au verset 9. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Amen. Amen. Dieu bénisse sa parole. Merci pour ce soir. Nous aurions pu aller à plus loin encore dans cet enseignement, mais aujourd'hui nous allons essayer d'aborder la dernière partie de cette étude. Alors je vais essayer de tout condenser là-dedans afin de rendre la chose complète et que vous tirez tout ce qui est nécessaire à l'édification spirituelle et au salut éternel. J'ai confiance que le Saint-Esprit va le faire. J'ai confiance que Jésus-Christ, le Seigneur, va également le faire. Nous comptons donc sur lui pendant cette étude. Alors, faites très attention au fur et à mesure que nous allons avancer, parce qu'en connaissant tout dans cet enseignement, ça va être assez profond. Mais nous allons essayer de prendre notre temps pour lire la Bible et le message de l'heure, afin que votre foi soit fondée sur la parole de Dieu. La foi d'une église ne doit pas reposer sur des spéculations. La foi d'une église doit reposer sur la parole de Dieu. De sorte que les croyants doivent être capables de dire, nous croyons ceci parce que la parole de Dieu le dit. Mais le croyant ne doit pas dire, je crois ceci parce que mon église le croit. Non, il n'est pas ici question d'une foi d'église, mais il est question d'une foi fondée sur la parole. Et c'est la parole de Dieu qui est le fondement de notre foi. Comme disait Frère Branham, la foi, la parole est le sanctuaire de la foi. Et Jésus avait dit, vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc si nous apportons la parole et que c'est la parole de Dieu, eh bien la parole se chargera elle-même de faire le travail de nos croyants. Ça se fera parce qu'il n'a jamais manqué de faire ce qu'il promet, ce qu'il avait promis de faire. Alors dans cette dernière partie de notre étude, nous allons parler sur les trois étapes de la grâce. Dans notre étude sur le mystère de la nouvelle naissance, nous avons commencé par parler sur qui suis-je. Le but de cette première partie était de vous montrer qui est-ce que nous sommes exactement, et quand la nouvelle naissance se produit, ça se produit exactement dans quelle partie de notre être, et ensuite qu'est-ce qui se fait ou se verra une fois que cela aura été fait. Ensuite, nous avons parlé sur les conditions nécessaires. C'était la deuxième partie de notre étude qui a donc servi à vous montrer que ce n'est pas qui veut qui peut naître de nouveau, mais que la nouvelle naissance est réservée aux prédestinés, aux élus,
Parce que la nouvelle naissance vous ramène dans la gloire. La nouvelle naissance, c'est la vie éternelle en vous. Eh bien, c'est pour les élus. La vie éternelle n'est pas pour ceux qui ne sont pas élus de Dieu. C'est pour les élus. Et un élu a en lui la volonté de faire la volonté de Dieu. C'était ce que nous avons étudié dans cette deuxième partie. Et il y avait plusieurs autres conditions. Mais toutes ces différentes conditions tournent simplement autour de la prédestination. C'est-à-dire que si vous avez été prédestiné, les autres conditions qui ont été mentionnées lors de cette étude trouveront toute leur réalisation. Parce que dans le plan de Dieu, il est prévu qu'il ne perde aucun élu. Il a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Et je n'ai perdu aucun de tout ce que le Père m'avait donné. Donc aucun prédestiné ne sera perdu. Et si vous êtes prédestiné, toutes les autres conditions s'en suivront pour votre nouvelle naissance. Au cas où vous traîniez le pas, et bien le Seigneur vous obligera à faire vite. Il vous y conduira. Aujourd'hui, nous abordons les trois étapes de la grâce. Je voudrais d'abord revenir ici sur la notion des concepts sur lesquels nous avons commencé par parler lors de notre première culte. Lorsque Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème n'a pas compris ces choses. Il pose la question à Jésus. Seigneur, comment cela peut-il se faire? Et Jésus va le secouer un peu pour lui dire, mais toi, tu es le docteur d'Israël. En d'autres termes, c'est toi qui enseignes Israël. Et tu ne sais pas ces choses. C'est toi-même qui enseignes, tu ne sais pas ces choses. Comment amèneras-tu le peuple là? Et ça, c'est fondamental, mes frères. Il est important que le prédicateur de la parole, le messager de Dieu, sache de quoi il parle pour amener les gens là où il faut. Nous n'avons pas besoin d'apprentis sorciers. Nous n'avons pas besoin de prédicateurs en herbe. On n'essaye pas, mais on fait. Si tu viens pour essayer, il faut aller prêcher ailleurs, mais pas là où on prépare l'épouse de Christ. Toi, tu es le docteur d'Israël. C'est toi qui enseignes Israël. Comment tu ne sais pas ces choses? Toi, tu es le prédicateur de l'évangile. Comment tu ne sais pas ces choses? Mais si tu ne sais pas ces choses, cela veut dire que tu n'es jamais passé par là. Et cela veut dire aussi que tu ne conduiras pas le peuple de Dieu là. Amen. Nous avons besoin de l'assistance de Dieu. Alors, je disais que cette notion a commencé par le Seigneur Jésus et lui-même. Il est celui qui a inauguré cet enseignement, qui a commencé cette étude sur la nouvelle naissance. Il est le premier. C'est lui qui a forgé ce concept pour la première fois. Avant lui, on n'avait jamais entendu parler de nouvelle naissance. C'est à partir de lui qu'on a commencé à entendre parler de nouvelle naissance. Il est le premier à en parler. Et c'est lui donc qui institue cela, on va dire. Et nous avons donc dans cette notion de nouvelle naissance ce qui suit. Quand on dit nouvelle naissance, on parle donc de quelque chose de nouveau. Et cela contraste avec quelque chose d'ancien. On ne peut pas avoir quelque chose de nouveau
Si au départ on n'avait pas quelque chose d'ancien, l'expression même nouvelle, naissance, veut dire qu'il y a une naissance préalable. Il y a eu une première naissance qu'on va donc appeler une ancienne naissance, et que donc celle qui vient va être nouvelle par rapport à celle qui avait toujours été. Alors ça va apporter quelque chose aussi de nouveau. Ainsi, nous avons deux types de naissances. Il y a la naissance naturelle. Elle concerne tous les êtres humains qui passent sur la terre. Parce que pour passer sur la terre, il faut naître. Donc c'est la naissance naturelle. Et à côté de celle-là, nous avons la naissance spirituelle que nous appelons encore nouvelle naissance, mais qui cette fois-ci ne concerne pas tous les humains, parce que ça ne concerne que les prédestinés. Il n'y a que les élus qui peuvent naître de nouveau. La naissance naturelle est encore appelée la naissance de la chair. C'est ce qui a fait de vous un être humain. Parce que vous êtes né de la chair, ça fait de vous un être humain. Ensuite, on l'appelle encore la naissance physique. Physique parce que tu es né dans un monde physique, dans un corps matériel, un corps physique, un corps qu'on peut toucher, on peut palper. C'est pourquoi on dit encore naissance physique. Cette naissance est encore appelée la naissance d'en bas. En bas, pour parler de la naissance ici-bas, la naissance sur la terre, la naissance dans ce royaume ici-bas, on l'appelle encore la naissance terrestre. Naissance terrestre, eh bien, c'est un mot qui est tiré de la terre pour indiquer que nous sommes nés sur la terre et que cette naissance a fait de nous un terrien. Et on l'appelle enfin la première naissance, parce que c'est celle-là qui fait de nous un homme, qui fait que nous puissions exister comme un être humain et même comme une âme vivante. C'est cette naissance-là. C'est la première naissance. À côté donc de cela, nous avons donc la naissance spirituelle qu'on appelle encore la naissance dans l'âme. C'est pourquoi je disais que nous avons commencé par étudier qui suis-je. C'est pour vous montrer que lorsque nous naissons de nouveau, et bien nous ne naissons pas de nouveau dans notre chair, mais nous naissons de nouveau dans notre âme. Cela sous-entend que même si je suis né de nouveau, mais tant que je vis encore dans la chair ici-bas, il y aura encore des erreurs dans ma vie. Mais ces erreurs-là ne seront pas commises par incrédulité. Je ne fais plus rien parce que je ne crois pas, mais ça arrive parce que je suis un homme, mais pas parce que je ne crois pas. Oh, il y a des gens qui pêchent par incrédulité parce qu'ils ne croient pas, mais l'épouse de Christ ne pêche pas par incrédulité, mais parce que simplement c'est un être humain. C'est donc la naissance dans l'âme. C'est mon âme qui naît de nouveau. C'est là-dedans que je nais de nouveau. Voyez-vous, ça se passe là-dedans. Je reviens, c'est pourquoi dans la première partie, qui suis-je, j'ai insisté là-dessus, parce que si je suis né de nouveau, mon âme elle est née de nouveau, mais pas mon esprit, pas ma chair. Il faut que ces deux autres parties soient aussi touchées par la vie de Dieu, et donc la rédemption
continue, même après la nouvelle naissance, il y a d'autres étapes encore à franchir. Voilà pourquoi, après que je sois né de nouveau, je dois rester attaché à la parole pour atteindre les autres parties qui me manquent. Nous allons à l'enlèvement. Moi, je prêche pour préparer le peuple à l'enlèvement. Et pas pour un autre intérêt. Je ne cherche pas la gloire ni la célébrité. À ce jour, je ne sais pas s'il y a un pays du monde où vous irez, où le nom de pasteur Francis ne vous aura pas précédé. Donc ce n'est pas la célébrité que je cherche. Moi, je cherche les élus de Dieu. Je cherche les prédestinés. Et c'est à ces hommes-là que je prêche. Et parfois, je suis dur dans mon enseignement. Mais c'est pour le bien de ces hommes-là. Et pas pour un autre intérêt. Donc, je nais de nouveau dans l'âme. C'est dans l'âme que se passe la nouvelle naissance. C'est pourquoi cette naissance spirituelle est encore appelée la naissance dans l'âme. J'insiste. La naissance dans l'âme. Ensuite, cette naissance est encore appelée la naissance en esprit. Parce que je nais de nouveau du Saint-Esprit. C'est une expression que vous lirez dans les brochures de Frère Branham. Naître de nouveau du Saint-Esprit. Si Dieu peut permettre que je touche tout ça aujourd'hui, ça sera très bien. Comme ça, vous aurez une meilleure vision de tout ça. Ça s'appelle encore la naissance d'en haut. Ma première naissance a fait de moi un être humain. Ici-bas. Maintenant, je nais de nouveau là-haut. Voyez-vous? C'est pourquoi Jésus avait dit: n'attristez pas ou ne persécutez pas, ne maltraitez pas l'un de ces plus petits qui croient à moi. Parce que leurs anges dans les cieux voient la face de votre Père Céleste. Les anges de qui? De ceux qui sont nés de nouveau. Mais c'est quoi ces anges-là? Chacun de nous a un ange qui est dans la présence de Dieu. Cet ange-là, c'est votre corps céleste. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc vous voyez, c'est par la nouvelle naissance que il y a un ange qui se forme là-bas, là-haut pour vous. On est de nouveau dans l'esprit. Ça s'appelle encore la naissance dans l'esprit. Parce que c'est la naissance par le Saint-Esprit. On dit aussi que c'est la naissance d'en haut, parce que nous naissons de là-haut. À cause de cela, on dit encore, c'est la naissance céleste. Et naturellement, c'est la deuxième naissance. Ou devrais-je dire la seconde naissance? Parce qu'il n'y aura pas une troisième. Il y a une première naissance qui a fait de moi un être humain sur la terre. Maintenant, il y a une seconde naissance qu'on appelle encore nouvelle naissance qui fait de moi un fils ou une fille de Dieu. Ma première naissance a fait de moi un fils de mon père terrestre. Une fille de ma mère terrestre. Maintenant, ma seconde naissance, ma nouvelle naissance, fait de moi un fils de Dieu, une fille de Dieu. Arrêtons un instant là. C'est quoi un fils de Dieu? Un fils de Dieu, ce n'est pas un membre d'église. Amen. Ceux qui fréquentent les églises ne sont pas tous des fils de Dieu. Pour preuve, il y a des sorciers qui fréquentent les églises. Mais le fils de Dieu ou la fille de Dieu, c'est celui-là ou celle-là qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu et qui est baptisé du Saint-Esprit. Parce que tu peux être baptisé du Saint-Esprit, mais pas dans l'âme.
Mais au niveau de ton esprit humain, ça va produire les dons. Mais ça n'amènera pas la vie de Dieu. Voilà ce qu'il faut commencer à retenir. En ce qui concerne cette notion de concept. Maintenant, mes frères, la nouvelle naissance, c'est aussi et encore le salut. Amen. Si je suis né de nouveau, cela veut dire que je suis sauvé. Amen. Celui qui est sauvé, c'est celui qui est né de nouveau. Pas celui qui fréquente une église. Fréquenter une église, c'est bien. Mais ça ne vous garantit pas le salut. Mais quiconque est sauvé, fréquente une église. Et doit avoir une église qu'il appelle son église. Mais ça ne sauve pas. Vous vous rappelez de Nicodème? Ou plutôt devrais-je dire de Corneille? Qui fréquentait la synagogue pendant plusieurs années et qui n'avait jamais été sauvé. Mais Dieu avait vu son cœur. À cause de cela, il lui a envoyé une visitation pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Parce que s'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit, on ne serait pas sauvé. On est très sérieux. C'est la raison pour laquelle nous ne suivons pas les mouvements. Mais nous suivons la parole. C'est ça notre fondement. Le salut, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le salut. Tu es né de nouveau, tu es sauvé. Tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas encore sauvé. Comment tu peux être dans une église pendant un mois, deux mois, trois mois, voire six mois, et tu n'es pas baptisé? Comment on peut expliquer ça? Tu as envie d'être sauvé ou pas? Tu viens à l'église pour le salut ou pas? Donc il faut que ces choses soient prises en compte. Jésus avait dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Tu n'es pas baptisé? Comment tu peux prétendre au salut? Le baptême, c'est le point de départ. On va y arriver. C'est l'étude d'aujourd'hui. Donc, je répète. La nouvelle naissance, c'est le salut. La Bible dit, dans la brochure, plutôt dans la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand il entre en Christ, pas quand il intègre l'église. Et quand il entre en Christ. Et s'il vous plaît, faites attention. Je parle ici d'une expérience personnelle. La nouvelle naissance est une expérience individuelle et personnelle. Ça ne concerne pas quelqu'un d'autre. Mais toi. Même la première naissance est toujours une expérience. Le jour que tu es né, tu es né seul. Et à cette heure-là, cette minute-là, tu es né seul et tu es sorti seul du ventre de ta mère. Même si vous naissez des jumeaux, vous ne verrez jamais les deux jumeaux sortir à la même seconde. Ça ne se fait jamais. Il y a un qui sort, quelques minutes après l'autre suit. Ça veut dire que c'est
personnel, individuel, chacun son heure. De la même façon, le jour de la mort, c'est aussi personnel, c'est individuel. Et il en est ainsi de la naissance spirituelle. Ce n'est pas une affaire collective, c'est pas une affaire de toute une église, c'est une affaire individuelle de toi-même. C'est personnel. Donc, tout au long de cette étude d'aujourd'hui, rappelez-vous que Dieu se parle à vous. Mais pas à toute l'église, mais à toi. Frère Branham dit, dans la brochure, la seconde venue du Seigneur, du 17-04-57, paragraphe 94, Frère Branham dit, s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore sauvé, qu'il dise, Frère Branham, souvenez-vous de moi, je ne suis pas encore né de nouveau. Je sais que je ne suis pas encore né de nouveau. Écoutez. Écoutez aussi ça. Écoutez, c'est lui qui dit. Écoutez. Vous n'êtes pas sauvé tant que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous avez simplement tourné le regard vers quelque chose. Mais lorsque vous acceptez Christ, c'est alors que vous naissez de nouveau. Quiconque n'est pas encore né de nouveau n'est pas encore sauvé. Le jour de ta mort, lorsque tu vas traverser la rivière, Dieu ne te demandera pas, montre-moi ta carte de membre. À quelle église étais-tu membre lorsque tu es sur la terre? La carte de membre ne compte pas. C'est un bout de papier qui peut être rongé par les souris. Et si c'est fait en plastique, ça peut être brûlé par le feu. Et au moment de sa mort, personne n'amène sa carte d'identité avec lui, ni son passeport, encore moins sa carte d'adhésion à une église. Mais il y a quelque chose qu'on va amener. Le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Donc là, à la rivière, si vous n'écoutez pas ma voix maintenant, aujourd'hui, vous réentendrez ma voix et vous saurez. Si j'avais su, il aurait fallu que j'écoute le pasteur Francis. Amen. Quiconque n'est pas né de nouveau n'est pas encore sauvé. Le salut, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le salut. C'est ça qui fait de vous un chrétien. Chrétien veut dire un petit de Christ. Un enfant de Christ. Quelqu'un en qui Christ habite. Comment Christ vient-il habiter en moi? Par la nouvelle naissance. Maintenant, nous avons lu un premier passage où on nous dit que si quelqu'un est en Christ, eh bien, il est devenu une nouvelle créature. C'est justement ça la nouvelle naissance. Devenir une nouvelle créature. Alors, dans les églises, on dit aux gens, naissez de nouveau. Vous devez naître de nouveau. C'est un très beau slogan. Maintenant, il est important de dire aux gens comment on y arrive. Je vais m'y employer. Prenons d'abord ce passage. Dans le livre de Colossiens, au chapitre 3, verset 1, jusqu'à 10. Devenir une nouvelle créature. Colossiens 3. Verset 1 à 10. Si vous avez vos Bibles avec vous, suivez la lecture avec moi.
Et même si vous êtes un enfant, je voulais dire aux enfants qu'à partir de l'âge de 8 ans, l'enfant est compté d'après ce qu'il fait. À partir de 8 ans, c'est l'âge de la raison. Ses péchés lui sont comptés devant Dieu. Avant 8 ans, l'enfant n'a pas besoin de repentance parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais tous ceux qui ont déjà atteint et dépassé 8 ans, vous devez naître de nouveau. Écoutez, allons dans Colossiens 3, 1-10. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est ça qu'on appelle naître de nouveau. Ressuscité avec Christ. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, quand Christ, votre vie paraîtra, c'est-à-dire reviendra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous serez enlevé avec lui. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité. N'allons pas vite. L'impudicité, c'est le péché qu'une jeune fille commet quand elle sort avec un garçon alors qu'ils ne sont pas mariés. C'est le péché que commet un jeune homme ou un homme quand il va avec une femme ou une fille alors qu'ils ne sont pas mariés. Ça s'appelle l'impudicité. Ça veut donc dire, si vous êtes dans l'impudicité, c'est aujourd'hui que vous devez en sortir pour naître de nouveau. Et en sortant de ce culte, vous devez appeler votre copain et lui dire, je ne veux plus de cette vie. Je décide de donner ma vie à Christ. Si tu veux être sauvé, fais comme moi. Si tu ne veux pas, tant pis pour toi. Mais ne m'embête plus. Alléluia. Je peux entendre un amen. L'impudicité. L'impureté. Toutes sortes de désordres. Les passions. Donc les envies. Qui nous animent à n'importe quel moment. Et en face de n'importe quelle attraction. Les mauvais désirs. Et la cupidité. La cupidité, vouloir gagner mais tout seul, et toujours toi qui dois gagner, au détriment des autres. Et la Bible dit, qui est une idolâtrie? Vous voyez, vous arrivez à la maison, on vous dit, non, vous prendrez votre part de la nourriture à tel endroit. Mais quand vous arrivez, vous regardez la personne qui est là, vous volez même des morceaux de viande dans les assiettes des autres et vous mettez dans votre assiette. Ça s'appelle la cupidité. C'est très mauvais. Comment voulez-vous qu'il n'y ait que vous qui gagnez, mais pas les autres? Et essayez donc, à partir de cet exemple, d'élargir les exemples. La cupidité, c'est une idolâtrie qui amène les gens à toujours tricher dans les affaires. Il falsifie les factures et dit à ses collaborateurs, non, c'est tout ce qu'on a eu. Et il partage encore ce peu-là avec ses collaborateurs. Alors qu'il a pris une partie qu'il a égarée, il a caché. C'est un esprit satanique, démoniaque. C'est vraiment digne d'un fils du diable. La joie d'un fils de Dieu, c'est de voir aussi ses compatriotes heureux. De toute façon, qu'est-ce que vous avez ici-bas que vous ne laisserez pas le jour que vous partirez? Je continue. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Maintenant, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère. Arrêtons-nous là. Quelle est ta nature, frère?
Quelle est ta nature? Si tu te fâches facilement, le Saint-Esprit n'est pas là. Écoutez-moi bien. Il vous est permis de dire à quelqu'un que vous n'êtes pas d'accord lorsque vous n'êtes pas d'accord sur un fait. Mais il ne vous est pas permis de vous mettre en colère contre votre frère. La colère peut tuer. De la colère, on peut basculer très facilement à la haine. Et de la haine, on peut très facilement basculer à la violence. Cette nature n'est pas de Dieu. Quand tu te fâches dans la maison, tout le monde sait qu'un tel est fâché. Ça devient difficile de vivre avec vous. Parce qu'on se dit, quand on va dire ça, il va se fâcher. On va dire ça, il va se fâcher. C'est difficile, on ne sait pas trop comment vivre avec vous. On ne sait pas. La colère. Quelle est? Et vous chantez ici. Gloire à Dieu, on va au ciel. Quel ciel? Si avec cette nature tu rentres au ciel, toi, avec cette nature tu rentres au ciel, à quoi va ressembler le ciel? Vous voyez? C'est pourquoi c'est une nature qui quitte nos vies une fois que nous naissons de nouveau. La colère, l'animosité, quelqu'un qui agit comme un animal par la colère, par la ruse, n'importe quoi, mais vraiment, c'est digne d'un animal. L'animosité. L'animal n'a pas d'âme. Ce genre de personnes agissent sans réflexion. Et c'est après que l'acte a été commis qu'ils disent, ah, il ne fallait pas. C'est une mauvaise nature. La méchanceté, c'est quelqu'un qui est violent envers ses frères, opposé à la vérité. Il ne croit pas en Dieu. Et c'est pourquoi il essaye de marquer son territoire. Tout le monde doit savoir qu'ici c'est lui. Ça c'est pour lui. On ne doit pas y toucher. Vous y touchez, c'est la bagarre, c'est la colère, et c'est toutes sortes de répressions. À la calomnie. La calomnie, c'est le fait d'aller colporter des choses en mal contre les gens. Je vais chez sœur X. Sœur, un tel a dit ça, ça et ça. Je tourne, je vais chez l'autre là-bas. Un tel avait dit ça, ça et ça. C'est vraiment un esprit. Si vous êtes dans cet esprit, ça ne m'étonne pas si Dieu venait me dire. Ça ne m'étonnerait pas si Dieu venait me dire que vous êtes une semence de Satan. Parce que c'est le même esprit que Satan avait utilisé au ciel quand il était encore Lucifer. Quand il a corrompu les deux tiers des anges, il allait de la porte d'un ange à la porte d'un autre ange, colportant des choses contre Jéhovah. Et beaucoup d'églises en sont rongées. La calomnie. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche, le chrétien doit rester honnête. Rester honnête. Clair. Sincère. Il n'est pas d'accord. Il te dit, je ne suis pas d'accord. Et non pas te dire aujourd'hui, oh non, c'est bon, c'est bon. Il tourne, je n'avais jamais été d'accord. C'est quel esprit? C'est quel esprit? Un fils de Dieu, une fille de Dieu, il ne marche pas comme ça. Quand il n'est pas d'accord, il te dit qu'il n'est pas d'accord. Voilà. Voilà. Ne mentez pas les uns aux autres. Je suis au verset 9. Le mensonge. Le vous non.
Voici ma main levée. C'est parmi les premières choses qui quittent quelqu'un quand il naît de nouveau. C'est-à-dire, dans votre expérience vers la gloire, il y a des choses sous les, avec, contre lesquelles vous allez encore vous battre. Mais les premières choses qui vous quittent au moment où vous naissez de nouveau, c'est le mensonge. Le mensonge en fait partie. Tu ne peux pas me dire que tu es né de nouveau et tu mens comme tu respires. Tu débites des mensonges bleus. Et quand tu mens, tu ne ris pas. Tu es sérieux, tu ne ris pas. Tu es un menteur expérimenté. Savez-vous pourquoi cette chose-là doit vous quitter dès le départ? Parce que la Bible dit, le diable est le père du mensonge. Tant que tu étais païen, ton père était le diable. Mais quand tu passes par la nouvelle naissance, le diable cesse d'être ton père. Ton père, c'est maintenant le Christ. Alors cet attribut du diable, le mensonge, qui est l'attribut caractéristique du diable, doit te quitter. Un chrétien dit la vérité. Un chrétien parle selon la vérité. Si après vous n'allez plus l'aimer, faites comme vous voulez. Mais il faut dire ce qu'il sait. Amen. Et j'insiste pour dire, je conseille, frère, oh Dieu, il y a beaucoup de petits mensonges parmi les chrétiens. Ils appellent ça petits mensonges. Donc des mensonges qu'on donne comme ça au passage. Je parlais à une chrétienne il y a quelques jours. Elle me dit non, j'ai fait ceci, j'ai dit cela. Je lui ai dit, ce que tu as dit là, est-ce que c'est exactement ce que tu as fait? Il dit non, j'ai seulement dit comme ça pour me débarrasser de lui. Ah. On ne fait pas ça. Un chrétien ne ment pas. C'est quand j'entends parler du mensonge, mon cœur frissonne. Parce que le mensonge, c'est l'attribut même de Satan. Le chrétien qui est né de nouveau, et bien, est sorti du mensonge, est séparé du mensonge. La vie du mensonge a disparu de lui. Tenez mes amis, il y a eu des péchés que les gens ont commis du temps de la Bible, du Nouveau Testament. Les gens ont commis des impudicités, des adultères. Les gens ont commis beaucoup de péchés. Mais montrez-moi un péché pour lequel les gens étaient tués sur place par Dieu. Parmi les péchés pour lesquels les gens étaient tués sur le champ, il y a le mensonge. Rappelez-vous d'Ananias et Saphira qui firent mentir au Saint-Esprit. Ils mentaient à pied. Ils pensaient qu'ils parlaient à un homme. Ils avaient oublié que c'était un homme de Dieu et que le Saint-Esprit œuvrait par lui. Ils ont menti. Tué sur le champ. Dieu ne supporte pas le mensonge. Né de nouveau, tu sors du mensonge. Où est l'argent qui était ici? Je ne sais pas. Qui a pris? Ce n'est pas moi. Mais tu sais que c'est toi. Le mensonge. La nouvelle naissance nous sort de toutes ces choses. Ne comprenez-vous pas qu'il est plus aisé de vivre en paix en ne mentant pas aux gens? Dites aux gens la vérité et vous aurez la tranquillité de cœur, d'esprit. Vous serez tranquille dans votre cœur. Vous allez vivre normalement. Mais quand vous montez, même la médecine enseigne, tout votre système nerveux est on va dire en ébullition. Il y a une réaction nerveuse intense en vous. Votre tension artérielle augmente. Parce que vous êtes en train de mentir. Et votre santé pourra s'en ressentir.
Mes amis, le mensonge quitte les gens quand ils naissent de nouveau. On ne peut pas avoir un croyant qui ira au ciel avec le mensonge. Ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Dieu n'aime pas le mensonge. Et Satan est le père du mensonge. Voilà les choses dont il faut se débarrasser. Vous n'êtes de nouveau. Justement, mes frères, les choses dont il faut se débarrasser, dont je parle, il y en a encore d'autres que je n'ai pas citées, mais que le Saint-Esprit est déjà en train de citer dans votre vie. Tenez, vous êtes une femme, mais dans votre maison, vous avez un enfant dont le père n'est pas votre mari. Votre mari ne le sait pas. Vous lui avez caché ça, ça fait des années. À quel ciel tu iras? À quel ciel? Le jour de ta mort, la chorale pourra venir chanter. L'église venir en masse chanter. Le pasteur prêchait un serment angélique. Tout juste après ça, tu vas en enfer. Alléluia. Tu dois confesser cette chose. Tu dois aller voir ton mari, lui dire la vérité. Et demander aussi pardon à l'enfant. Parce que tu l'as trompé. Tu as fait croire à cet enfant que son père c'était X. Alors son père c'est plutôt Y. Tu as aussi un pardon lui demander. Vous voyez cet ensemble de choses. Le monde est dans un état chaotique. Parce que la pierre qu'ont rejetée ceux qui ont bâti nos civilisations, c'est elle qui est la principale de l'angle. C'est Christ, la pierre de l'angle. Pour avoir été rejeté, regardez le état chaotique dans lequel nous vivons. Il faut confesser ces choses. Comment pouvez-vous sortir de ces choses? La repentance est l'une des voies pour sortir d'un péché. Frère, la confession est difficile. Ce n'est pas facile. Venir voir ton mari et lui dire, assieds-toi, j'ai quelque chose que je te cachais. Ah! Ah! Il faut être une fille de Dieu pour faire ça. L'argent qui disparaissait, c'est moi qui volais. J'avais une tontine, une ristourne. Si je volais pour... Maintenant, veut dire confesser. Avec parfois des maris qui parlent beaucoup. Là. Dès que tu finis de confesser, il est dehors. Voilà moi des femmes comme ça, une voleuse. Bien garder une voleuse à la maison. Comment faire? Mais si tu ne fais pas, tu n'entres pas au ciel. On fait quoi? On fait quoi? Il y a une chose par-dessus toutes qui nous aide à sortir de ces choses. Et maintenant que je parle, elle va vous aider à sortir de ça. J'y crois. C'est pourquoi je suis venu au Seigneur. C'est la grâce de Dieu. Le salut, c'est la nouvelle naissance. Mais le salut est une grâce. Personne ne peut naître de nouveau par ses efforts. C'est Dieu qui doit te faire naître de nouveau. Dites-moi, quel est l'enfant qui naît par lui-même? Ici-bas, sans qu'il y ait un père et une mère, un jour comme ça, on va voir une molécule apparaître dans l'air et finalement donner un enfant. Vous avez déjà vu ça? Oui. Il faut qu'il y ait un père et une mère pour que l'enfant vienne. Et dans le cadre spirituel, c'est pareil. La mère, ici c'est toi, c'est la matrice de ta pensée. Le père, c'est Christ et la semence qui doit venir en toi. Dans la matrice de ta pensée, c'est la parole de Christ. Quand tu dis amen à la parole, même si la parole est dure, elle te condamne. Il y a un phénomène qui se crée en toi. Il y a une puissance qui se manifeste et qui va détruire le péché dans ta vie. À partir de cet instant-là, il y a un dégoût qui naît en toi. Tu ne veux plus mentir.
Amen. C'est une grâce. Et c'est Dieu qui produit cette grâce-là. Je vous le dis. Allons-y. Éphésiens chapitre 2. Le verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Il est écrit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est un cadeau que Dieu vous donne. Vous ne fabriquez rien. On ne peut pas faire naître de nouveau quelqu'un. C'est Dieu qui fait naître de nouveau. La nouvelle naissance doit venir d'en haut. C'est Dieu qui doit produire cela dans l'individu. C'est donc une grâce. Une faveur. C'est la miséricorde de Dieu. C'est Dieu qui vous accorde la grâce de naître de nouveau. Lui. Il vous fait grâce. Vous pourrez ajouter Actes des Apôtres chapitre 15. Le verset 11. Et regardez ce passage à la maison. Il appuie Ephésiens 2 verset 8. Où on montre que le salut est une grâce. Et William Branham dit dans la prédication, l'union invisible de l'épouse de Christ. L'union invisible de l'épouse de Christ. Du 25-11-65. Le paragraphe 30. Il dit. J'ai toujours dit aux gens. Lorsque je franchirai la ligne. Pour passer de l'autre côté. J'aimerais me lever et chanter. Grâce extraordinaire. Qui a sauvé un méchant comme moi. Que le sang en est doux. Le sang en est doux. Grâce. Précieuse grâce. En savoir plus sur la grâce. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Non par nos actions. Tout ce que nous pouvons faire n'est pas compté en notre faveur. Amen. Quelqu'un dit amen au message. Amen. Amen. Tout ce que nous pouvons faire n'est pas compté en notre faveur. La grâce est ce qui nous sauve. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Vous voyez comment ce prophète de Dieu répète la Bible. Il répète exactement Ephésiens 2 verset 8. C'est ça que j'aime dans ce prophète. Il me ramène de la Bible. Il me plante de la queue de la Bible. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et c'est une faveur de Dieu. Maintenant, cette grâce, cette faveur, cette miséricorde de Dieu, lorsqu'elle se manifeste dans ta vie, elle se manifeste en trois étapes. Ce sont les trois étapes de la grâce sur lesquelles nous parlons maintenant. Elle se manifeste en trois étapes. Laissez-moi d'abord vous ressortir sur cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens le chapitre 1. Et le verset 30. Il est dit. 1 Corinthiens 1 verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. S'il vous plaît, ne fermez pas vos bibles. Restez sur la page. Regardez très bien. Quand on dit a été fait pour nous sagesse, on met une virgule.
Regardez votre Bible. Ensuite, on va citer trois mots sans virgule, juste avec la conjonction et. Regardez votre Bible. On dit justice et sanctification et rédemption. Pour ceux qui ont fait langue, ils savent que c'est une formulation un peu bizarre. Nous avons ici une citation, une énonciation. On devait mettre une virgule après justice. Et on pouvait garder le « et » après sanctification et rédemption. Mais cette formulation est particulièrement bizarre. Oui, mes frères, faites attention. Ce n'est pas n'importe qui peut enseigner la Bible. Ça doit être un enseignant. Tout le monde peut prêcher. Mais enseigner, attendez d'en avoir l'appel. Justice et sanctification et rédemption. C'est pour montrer que ces trois choses ensemble pour accomplir une seule et même œuvre qu'on appelle l'œuvre de la grâce ou alors l'œuvre du salut. Dans le mot justice, nous avons la justification, c'est-à-dire Dieu nous rend juste en nous justifiant, c'est-à-dire encore en pardonnant tous nos péchés passés, en effaçant nos ardoises, en effaçant tout ce qui nous condamnait. Il nous fait justice, il nous justifie. Cette étape-là de la grâce s'appelle la justification. Ensuite vient la sanctification, l'étape de la grâce qui consiste à laver la personne, à nettoyer ses pensées, à nettoyer ses habitudes, ses appétits, ses goûts et ses désirs, à laver son être des vieilles habitudes du monde. Cette étape-là s'appelle la sanctification. Et vient la dernière étape, la rédemption, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Le mot rédemption signifie rachat. Or, oh, tu n'es pas encore racheté. Tu n'es pas encore rédempté. Tant que tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est le sceau du Saint-Esprit qui fait de toi quelqu'un qui est racheté, qui fait de toi quelqu'un qui est rédempté. Le sceau du Saint-Esprit. Oh my God, amen. Voilà vos trois étapes de la grâce. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Lors de la justification, qu'est-ce que Dieu fait? Je viens du monde. J'étais un pécheur. J'ai vécu n'importe comment. J'ai fait beaucoup de choses sales. J'avais des copains, des copines. Je volais, je trichais. Je me livrais à l'alcool. Et j'ai fait plein de choses qui sont désagréables. Maintenant, Dieu vient me toucher par la prédication de la parole et m'amène à lui. Quand il m'amène à lui, le geste qu'il fait là, me prenant pour amener à lui, et bien on dit que j'ai trouvé grâce à ses yeux. Alors commence l'œuvre de la grâce dans ma vie. À cette première étape, il m'a mené à lui. Maintenant, il doit m'amener jusqu'au baptême d'eau. Le baptême d'eau est le point d'achèvement de la première étape. L'étape, la première de la grâce, et bien prend fin par le baptême d'eau. Mais baptême qui est précédé par la repentance. Quiconque est baptisé sans s'être repenti, son baptême ne compte pas. Quiconque a été baptisé dans les titres de Père, Fils, Saint-Esprit, son baptême est un baptême adultère. Il ne compte pas. Il doit refaire son baptême. Quiconque se fait baptiser, mais avant d'être baptisé, il n'a pas fait le tour de la ville, allant voir les
se mettre en ordre avec eux. Pour se repentir. Son baptême est nul. Le baptême d'eau doit être possédé par la repentance. Donc il m'appelle. En me sortant du monde. Il m'amène à lui. Il me touche par sa parole. Je regrette ma vie passée. Ce regret. Le baptême d'eau achève cette première étape. Alors commence la deuxième étape. La sanctification. Je suis maintenant baptisé. Et je fréquente l'église. Je vais tout le temps écouter la parole. Qu'est-ce que Dieu fait? Par la parole. Il va se mettre à me sanctifier. À me laver des vieilles habitudes que j'avais acquises dans le monde. Toutes les habitudes là. Le fol. La tricherie. L'impudicité, la fornication, les adultères et même la polygamie, toutes ces choses-là sont mauvaises. Je dois m'en sortir. Écoutez-moi très bien. Dès le départ, je créa un homme et combien de femmes? Combien de femmes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut nous raconter? Ne changez pas le plan de Dieu. Une femme. Pas deux femmes. Pas trois femmes. Frère Branham dit, si vous êtes dans un mariage polygame, il dit vous êtes en adultère. Or l'écriture déclare que les adultères n'entreront point dans le royaume de Dieu. C'est grave. Amen. Très grave. La sanctification vient pour faire ce travail. Le nettoyage. La purification de mon esprit. De mon cœur. Des vieilles habitudes du monde. L'eau de la parole me lave de ces habitudes-là. C'est pourquoi il est écrit. Vous entendrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. En quoi elle va m'affranchir? En quoi elle va me délivrer? Elle va me délivrer de mes vieilles habitudes du monde. Elle va me sortir de cela. À partir de cette étape, la sanctification, elle devient complète. Lorsque vous arrivez à un point où, avant de faire quoi que ce soit, il y a une question qui naît en vous. Que dit la parole? Tu veux aller ici? Que dit la parole? Tu veux faire ceci? Dans le cœur. Que dit la parole? Là, la sanctification atteint son but. Alléluia. Et quand la sanctification a atteint son but, alors maintenant Dieu vous donne le baptême du Saint-Esprit. Mais s'il vous plaît, le baptême du Saint-Esprit procède en deux étapes. Première étape, c'est un baptême de feu. La seconde et dernière étape, c'est un baptême d'esprit. C'est pourquoi vous entendrez dire que quelqu'un est baptisé de feu et du Saint-Esprit. Ou alors, il est baptisé d'esprit et de feu. Que vient faire le feu? Le feu, c'est toujours le feu de l'Esprit. C'est toujours le Saint-Esprit. Mais il fait quoi? Il commence d'abord par brûler en vous les racines d'amertume, les racines du péché. C'est-à-dire, tout ce que vous faisiez hier, il y avait en vous des motivations. Il y avait en vous une sorte de sémence qui vous poussait à le faire. Si le Saint-Esprit ne brûle pas ses racines, ses péchés reviendront. Mes sœurs, s'il y a une viande ici, ça mène les mouches. Vous venez, vous enlevez la viande. Les mouches ne reviendront pas.
Ou alors si vous venez, vous chassez les mouches. Les mouches ne reviendront pas. Vont revenir. Pour que les mouches ne reviennent pas, même si vous enlevez la viande, il faut d'abord laver la viande. Pour que le sang et le liquide laissé par la viande s'en aille. Là, les mouches ne reviennent pas. Donc, il faut un nettoyage total. Le feu vient brûler d'abord les racines du mal, le désir, les envies d'adultère, de l'impudicité, de concubinage, ces désirs-là, les désirs, les désirs, le désir de voler, de fumer, le désir de boire, il brûle ces désirs. Une fois que les désirs sont brûlés, alors l'esprit vient. Comment savez-vous que les désirs sont brûlés? Au mot Dieu les brûle. Quand la personne, en plein culte, elle sent un tel dégoût du péché, elle est même honte d'elle-même. Et elle me demande, pourquoi j'ai fait ces choses? Est-ce que c'était vraiment moi? Oh Dieu! Pourquoi j'ai perdu du temps? Tu étais où depuis tout ce temps-là? Elle pleure! Ne se rend plus compte qui est à côté. Qui est assis à côté d'elle? Elle pleure! Pleure, pleure. C'est Dieu en train de brûler les désirs du péché. Et l'esprit ensuite descend, s'installer dans les gens, il s'assoit en eux. Voilà vos trois étapes de la grâce. Mes frères, nous sommes une église, nous sommes appelés à aller plus loin, et nous sommes en train d'aller vers l'enlèvement. On peut effacer ça? Nous sommes en train d'aller faire l'enlèvement. Et je voudrais ici vous amener à comprendre que au-delà de ces trois étapes de la grâce, justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit, il y a d'autres étapes. Je vais vous les montrer. Nous allons ensemble dans le livre de Rome, au chapitre 8. Romains chapitre 8. Et beaucoup à Roma. Le verset 28 jusqu'à 30. Il y a qui tient à ma commission la nana. Voilà, il est écrit. Romains 8, 28 à 30. Et Roma. Nous savons, suivez attentivement la lecture. Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Appelés selon son dessein. C'est une prédestination. Cette affaire est une affaire de prédestination. Alors, il est écrit. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Suivez-moi très bien. Première étape, j'écris ici un. Prédestination. Prédestination. Voilà la première chose. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Deuxième étape, c'est l'appel. Il appelle des gens. Il faut avoir été appelé. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Troisième étape, ici c'est la justification. Suivez très bien. Nous sommes là. Les étapes que nous sommes en train de voir dans Romains, ce ne sont pas les étapes de la grâce, mais ce sont les étapes de la rédemption.
Les trois étapes dont je vous ai parlé, justification, sanctification, baptême de l'Esprit, eh bien, ce sont les trois étapes de la grâce. Je continue. Il dit, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Là, il y a un problème. Il saute de la justification à la glorification. Il y a un problème. Alors, suivez-moi bien. Ici, je mets plus bas. Septième étape. Glorification. Comme vous l'entendez, glorification. Il a sauté des étapes au milieu. Il y a sept étapes. Alors, les étapes qu'il a sautées, je vais mettre ça entre parenthèses comme ça. Comme ça, voilà. Nous avons une quatrième étape ici. Comme vous le voyez, c'est la sanctification qui a été ici sautée. Sanctification. Ensuite, il y a une autre étape qui a été sur la Seigneur. J'abrège. BSE. BSE. C'est le baptême du Saint-Esprit. Mais il y a une sixième étape dont l'apôtre ne parle pas ici. Mais nous trouvons ces étapes dans les autres passages. C'est l'adoption. Les trois étapes ici, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, nous avons trouvé par exemple dans 1 Corinthiens 1, verset 30. Ici, il n'a pas retracé ça. L'adoption, il en parle par exemple dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1, l'apôtre Paul en parle. Depuis le verset 1 jusqu'au verset 7, l'apôtre Paul en parle, l'adoption. Mais ici, dans Romains, il n'a pas mis cela. Alors nous rassemblons tout ça. Et nous constatons que l'apôtre a sauté ces trois étapes. La sanctification, le baptême de l'Esprit et l'adoption. À partir de le baptême de l'Esprit, je suis né de nouveau. Mais si je suis né de nouveau, ce n'est pas fini. La glorification, c'est l'étape qui va nous permettre d'être enlevé. Quiconque n'arrive pas là ne sera pas levé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je reviens. Premièrement, c'est la prédestination. Pourquoi je n'ai pas pris la place où l'on dit ce qu'il a connu d'avance? Il les a aussi prédestinés. J'aurais pu prendre, par exemple, la préconnaissance. Mais je n'ai cité que la prédestination. Parce que justement, la prédestination, eh bien, procède par une préconnaissance. Dieu a connu d'avance les gens avant la fondation du monde. C'est ainsi qu'il en a choisi pour faire partie de son royaume éternel. Et ce qu'il a choisi pour faire partie de son royaume éternel, on dit d'eux qu'il les a élus ou qu'il les a prédestinés. Ce ne sont pas tous les habitants de la terre. Tous les humains ne sont pas prédestinés. Les prédestinés, leur cœur bat pour la parole et la volonté de Dieu. Et ça, même avant qu'ils ne viennent en Christ. Quand ils étaient encore dans le monde, Dieu les a prédestinés. Ça veut dire qu'il les a connus d'avance. Il les a présélectionnés. Et il les a élus. On dit qu'il les a prédestinés. Aucun élu ne sera perdu. C'est impossible. Si les jours n'étaient abrégés, même les élus seraient séduits. Si cela était possible, il ajoute ça, c'est pas possible. L'appel, Dieu t'a prédestiné. Tu nais dans le monde, mais tu ne sais pas que tu es prédestiné. Tu grandis dans le mensonge. Tu vis dans le désordre. Tu ne connais pas la volonté de Dieu. Et beaucoup d'entre nous sommes nés dans des familles où les gens ne priaient pas. Et parfois le Christ a été connu un peu plus tard dans nos familles. On a vécu comme des voyous. Même dans les familles où les parents étaient chrétiens, vous savez que les enfants étaient terribles.
n'y a pas quelqu'un ici qui n'était pas maraudeur avant. Maraudeur. C'est-à-dire que dans ton jeune âge, tu volais les fruits dans les jardins d'autrui. Ou dans les parcelles d'autrui. Les gens ne sont pas là. Tu vas cueillir leur mangue. Beaucoup ici l'ont fait. Mais c'est un péché. Parce que tu n'avais pas l'autorisation des gens. On te rend la monnaie. Et il y a une monnaie en trop. Tu dribbles. Ou quelqu'un te fait tenir son argent. Tu fais passer son argent. Maintenant, quand l'évangile te rencontre, Dieu t'appelle. Quand il t'appelle, c'est pour venir à lui. Après qu'il t'y a appelé, il t'appelle dans ton cœur. Il t'appelle dans ton âme. Et l'appel peut se manifester par l'exhortation de quelqu'un. L'appel peut se manifester par une vision. Par un rêve, un songe que tu fais. Par une foi que tu entends. Comme une foi dans mon église. Là-bas au soleil couchant, il y a quelqu'un qui était... Il était encore païen. Il est assis devant le compte de suivre un culte. Sur Canal 7. Une main vient le toucher. Il se retourne. Il n'y a personne. Il a cru que c'était sa femme. Il est allé à la cuisine. Oui. Qu'est-ce qu'il a chéri? Mais tu es venu me toucher? Mais non. Moi je suis à la cuisine ici depuis longtemps, je suis pas allé au salon. Il est reparti au salon. Il s'assoit. La même main vient encore toucher. Et après je crois qu'il s'est affalé. Je lui révèle quelque chose. Ça c'est l'appel. Maintenant quand Dieu t'a appelé, peu importe comment, il y a plusieurs fois. Alors il doit maintenant te justifier. La justification consiste à pardonner tes anciens péchés pour que tu commences une marche nouvelle. Ça passe par la repentance. Ensuite, après ça, vient la sanctification où le Saint-Esprit nettoie ta vie des anciennes habitudes tiers. Une fille qui faisait les trottoirs. C'était comme ça qu'elle gagnait sa vie. Maintenant qu'elle vit à Christ, Christ enlève ses habitudes. Là. Ensuite, après ça, si la sanctification atteint son but, il te donne le baptême du Saint-Esprit. Alors tu es sauvé. C'est vrai. Mais tu n'es pas encore prêt pour l'enlèvement. Tu es sauvé, mais tu n'es pas encore prêt pour l'enlèvement. Pour être prêt pour l'enlèvement, là tu es sauvé, ça veut dire que tu es né de nouveau. Ça veut dire que tu es un bébé spirituel. N'importe quel enfant qui naît et qui est encore bébé doit grandir. S'il ne grandit pas, il est appelé à mourir. Il faut qu'il grandisse. S'il ne grandit pas, il n'aura pas de vie. Il ne va pas travailler. Il fera quoi? Pour qu'il soit un homme qui s'assume, il faut qu'il grandisse. Et donc, la nouvelle naissance fait de toi un bébé en Christ. Maintenant, il faut que tu grandisses. En grandissant, tu dois atteindre la maturité. La maturité en Christ. C'est ça qu'on appelle l'adoption. Et à cette étape-là, Dieu te place dans le corps et te donne une place, un rôle à jouer. Et une fois que tu es adopté, tu es pour l'enlèvement. Celui qui est adopté, c'est quelqu'un qui est mûr. Ce n'est pas un homme plaintif. Ce n'est pas un homme vacillant qui est ballotté par tout vent. Mais un homme stable, mature, équilibré. Il est adopté. Il est prêt pour l'enlèvement. Alors, peu importe quand est-ce que l'enlèvement se fera, il ira dans l'enlèvement. Parce que la glorification que vous voyez ici, ça veut dire quoi? La glorification, c'est l'étape qui consiste à changer de corps pour revêtir un autre corps. Un corps de gloire. Celui-ci est un corps de chair. C'est un mauvais corps. Il nous fait souffrir. Il suffit que tu aies mal à la dent ici. Tu vas rouler. C'est pas un bon corps. Donc Dieu n'a jamais voulu que nous vivions éternellement dans ce corps. À
après ce corps, il y a un autre qu'on appelle le corps céleste, votre ange qui se forme dans les cieux, qui est votre nouvelle naissance. Après cela, viendra donc le corps glorifié qui sera un corps de chair, mais pas né par le péché comme celui-ci, mais venu par la création de Dieu. Alors Dieu prendra votre ange qui est dans les cieux, ce corps céleste, il va le mettre dans ce nouveau corps, il le fait rentrer là, et vous avez maintenant un nouvel être, vous vivez éternellement. Voilà comment cela va se passer. C'est ça le programme, mes amis. Et ça, vous n'entendrez pas cela dans une dénomination, à moins qu'ils entendent cela et le suivent à partir du message du temps de la fin, pour aller redire dans leurs assemblées. Ça, c'est le message pour les pousses de Christ. Ils ne savent même pas qu'il y a une adoption. Alléluia.